Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer avec un petit peu de mobilité. Donc, on va se mettre sur les fesses, venir tendre une jambe, plier l'autre, amener le pied du côté opposé, s'auto-grandir au maximum et venir tirer la jambe et le genou contre sa poitrine. Même si le pied décolle du sol, c'est pas très grave. Le but, c'est de ramener toujours le pied proche de sa poitrine, d'essayer de se grandir et de creuser un petit peu le bas du dos. Donc, on va faire 1 minute côté droit. 1 minute côté gauche. Quand c'est fait, on va venir se redresser. Et là, on va venir écarter donc les jambes au maximum, pointe de pied, les jambes à l'extérieur. Je vais me pencher vers l'avant. Et là, on va faire garder les jambes tendues et faire des passages d'un côté, donc côté gauche à côté droit. Okay. On peut rester, si on veut, si on a quelques adhérences d'un côté, un peu plus de temps d'un côté. On peut toujours commencer, on peut continuer à étirer, à écarter les jambes et on va faire une routine comme ça d'aller-retour pendant 1 minute. Dernier exercice, on va se mettre sur le genou. Alors, on va pas se mettre en fente, on va décaler complètement le pied avant, pointe de pied toujours vers l'avant. On va garder son bassin droit, donc ni trop vers la gauche ni trop vers la droite, le plus droit possible, creuser bas du dos et on va essayer de venir s'asseoir sur son talon. Okay, sans vriller toujours son bassin. Et on peut décoller un petit peu le talon du sol. Et quand on est allé le plus bas possible, on vient se redresser. On va faire 15 répétitions d'un côté, 15 répétitions de l'autre.